Lorsque les dieux veulent détruire quelqu'un, ils le rendent d'abord fou. Ou bien ils rendent ces personnes folles. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Je viens ici ce jour attirer l'attention de notre frère Pifo, Robinson Pifo. Pourquoi est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que j'attire son attention? J'attire son attention parce que cette fois-ci, l'Ondo ne va pas le rater. Je dis cette fois-ci, l'Ondo ne va pas le rater. Cher peuple de Dieu, cher Camerounais, Robinson Pifo, comme tous les blogueurs, se prend la tête tout ce temps, depuis un temps. Depuis avant la mort de Cabral, il se prend trop la tête. Robinson Pifo et ce monsieur qui était dans le clan de Cabral Nandjib, paix à son âme, avec certains autres petits là, ils étaient ensemble. Ils se prenaient beaucoup la tête, ils secouaient beaucoup la toile. Chez tous, on nous a toujours dit, si quelqu'un décide avaler une noix, il doit s'assurer que son anus est assez large pour chier cette noix plus tard. Qu'est-ce que je veux dire? Robinson Pifo, tu as beaucoup fait. Tu as fait pendant la mort les obsèques de Cabral. Tu as créé ce que tu devais créer. Et même après Cabral, il y a eu des insinuations que tu as fait. Je ne vais pas les répéter ici. Robinson Pifo, tu as enceinté une petite fille, tu as enceinté une jeune dame, tu l'as abandonnée avec la grossesse. Lorsque ton frère Franco t'a interpellé, tu l'as insulté, tu l'as menacé. Je ne suis pas fan de Franco, je ne suis pas supporter de Franco, mais fais attention. Parce que cette folie, lorsque je parle de folie, je parle de comportement. Cette démence, lorsque je parle de démence, je parle d'agissement. Ce comportement de folie que tu as, cet orgueil qui t'anime, c'est ça qui va te détruire. Et cette fois-ci, ça va te détruire. Peuple de Dieu, chers tous, aujourd'hui ou hier, je vais dire hier, le week-end, Robinson Pifo, il te dit lui-même, il était à la Odeï quelque part vers le Mungo, je ne sais pas si c'est Konsamba, quelque part vers le Mungo. Il arrive au Odeï, à la veillée, avec ses amis. Vous savez comment les jeunes sont orgueilleux. Il y a eu un papa ici. Nous connaissons les papas qui vendent la boisson pendant les deuils. Ils sont venus se placer devant le papa. Derrière, ils ont mis le dos devant le marché du papa. Vous savez déjà qu'à l'ouest, pour quelqu'un qui connaît la culture, on ne tourne pas le dos sur le marché de quelqu'un. Devant le marché de quelqu'un, on ne tourne pas le dos. Ce n'est pas bon signe. Robinson Pifo est un gars de l'ouest. Il est un banlieue. Il est censé le savoir. Quand ce papa s'énerve, Robinson Pifo sort les billets. Il nague ce papa avec. Dans l'ignorance, dans la bêtise, le papa prend cet argent, il déchire. Oui, bon, il a fait dans l'ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. Qu'est-ce que Robinson Pifo fait? Il s'en va, il appelle la gendarmerie, il appelle le commandant. Et il instruit au commandant d'arrêter ce papa, aller enfermer le papa. Robinson Pifo, cette fois-ci, l'Ondo aussi ne va pas te laisser. Camerounais, chers tous, pourquoi cette histoire m'attire? Cela m'attire car je suis un homme spirituel. Étant un homme spirituel, je défends des valeurs spirituelles. Lorsque je parle de valeurs spirituelles, ça peut être des valeurs religieuses, ça peut être des valeurs traditionnelles, ça peut être des valeurs culturelles. Parce que tout ça
lorsqu'on mélange. Tous sont liés à la spiritualité avec des différentes limites, que ce soit la tradition, la religion ou la culture. Vous savez une chose, j'ai l'habitude de vous dire, moi, le Seigneur, je suis un homme d'alliance, le Seigneur m'avait dit quelque chose. Mon fils, mon serviteur, je t'envoie embrasser le dehors. Je t'envoie aller parler pour moi. Je t'envoie aller libérer le peuple pour moi. Mais mon fils, je t'interdis une chose. Ne clash jamais quelqu'un qui est ton aîné, quelqu'un qui n'est pas de ta génération, quelqu'un qui te dépasse d'un certain âge. C'est pour ça que vous voyez, même si c'est un sorcier, quand vous me dépassez il y a des 15 ans, je n'ai rien à faire avec vous, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Je n'appelle jamais votre nom. Parce que voilà des choses qui font à ce que la jeunesse meurt. Voilà des choses qui font à ce que la jeunesse s'égare. Lorsque nous avons une jeunesse comme celle de Robinson Pifot, c'est une jeunesse égarée. Robinson Pifot est un jeune égaré. Robinson Pifot doit tout faire pour se rassurer que ce papa est libéré de cette cellule. Là, il a mis ce papa. Jusqu'à il est content pour dire, ce papa ira en prison et va prendre. Ce papa, il va prendre quoi? Il a quoi? Tu as pensé aux enfants que ce papa est en train de nourrir? Tu penses aux enfants que ce papa est en train de nourrir? Quand tu prends ce papa, tu veux qu'on aille l'enfermer parce qu'il a déchiré l'argent. Tu lui donnais l'argent pour quoi? Il t'a dit qu'il avait besoin de ton argent. Si tu étais un gars qui voulait la paix, tu allais lui dire que papa, je m'excuse, donne-nous les biens. Il t'aurait donné les biens. Mais tu prends 6 000 en biais de 2 000, tu le nagues avec. Robinson, tu as quoi? Tu as quoi? Je t'assure, je suis un homme de Dieu, Robinson Pifot. Regarde ta vie d'ici 3 à 6 mois. Je t'assure, je suis un homme de Dieu. Je suis un apôtre. Je t'assure. La pauvreté va te guetter. La pauvreté toque à ta porte. Les petits contrats que tu as vont te fuir. Regarde ta vie d'ici 3 à 6 mois. Robinson Pifot, va demander pardon à ce papa. Va demander pardon à ce papa. Tu as fait ce qu'on ne fait pas. Tu es un gars de l'Ouest. Tu es un graphi. Tu es un banéléké. Peut-être tu es un gemba. Ce sont les mêmes gens. Nous sommes tous des graphis. Nous connaissons les vraies valeurs des cheveux gris. Oui. Ce n'est pas parce que vous placez sur Meta, ce n'est pas parce que vous placez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous parlez le petit français que vous allez vous tenir, croire que tout vous est permis. Mon cher frère, cette fois-ci, rappelle-toi, l'apôtre t'a parlé, le ndo, cette fois-ci, ne va pas te rater. Pour ceux qui ne sont pas de l'Ouest, qu'est-ce que le ndo? Le ndo, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est comme ça que nous, les Grassfield, nous appelons cela le ndo. Ça ne va pas te rater. Merci chers tous, merci peuple de Dieu. Soyons sages, respectons les cheveux gris, respectons ceux qui ont vécu, respectons ceux qui sont devant nous, car l'avenir est très incertain. Merci de partager, merci de vous abonner, merci de liker, merci de parler personnellement à Pifot Robinson, d'aller corriger cette erreur. Ciao, à bientôt, au revoir. Give me something so that I can buy you product.
Bye.